Good morning, Aleiden. Tu seras aujourd'hui le lunchmat Amram Yona Ben Hana, Peggy Batester, Nissim Ben Aouda et Michel Novikov, et aussi deux fois de route, Bat Claudine Traina, Simcha Bat Masoudi Btoch, Shah Chol Israël. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet et Douyot Perigvet Mishnah Zain. Shlosha Dvarim Amro Lifne Rabbi Akiva, Shnaim Mishum Rabbi Eliezer, Vechad Mishum Rabbi Yoshua. Shnaim Mishum Rabbi Eliezer, Yotzet Isha Be'ir Shel Zahav, Omafriche Yonim Psulim Laedut. ואחד משום רבי יהושע, אשר אצבע בפי חולדה ומהלכת על גבי כיכרות של תרומה, ספק נגע ספק לא נגע ספקו טהור. שלושה דברים אמרו לפני רבי עקיבא. Trois choses ont été rapportées devant Rabbi Akiva au nom de ses maîtres qui étaient essentiellement Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer Agadol ben Urkenos, et l'autre qui était Rabbi Yehoshua. Donc parmi ces trois choses-là qu'on a rapportées devant Rabbi Akiva, ces trois halakhot, Shnaim Mishum Rabbi Eliezer, deux choses ont été rapportées au nom de Rabbi Eliezer, Vechad Mishum Rabbi Yoshua, et une halacha au nom de Rabbi Yoshua. Shnaim Mishum Rabbi Eliezer, deux choses ont été rapportées au nom de Rabbi Akiva. Ça va partir dans tous les sens dans cette Mishnah, on va parler de tous les sujets en même temps, on va parler de Shabbat, on va parler de Edut, Sanhedrin plutôt, et ensuite on va parler de Sheretz, on va parler de Bichot Touma Vetahara, mais ça va aller Bezrat Hashem. Première halacha d'abord, Yotzet Isha Be'ir Shel Zahav. Littéralement, une femme peut sortir avec la ville en or. Yerushalayim Irshel Zahav. Irshel Zahav, c'est une ville en or. C'est discuté, c'est une sorte de bijou que les femmes portaient. Il y a quelques avis, différents avis. Quel était ce type de bijou exactement? Ça fait allusion bien sûr à Yerushalayim, qui était en fort et que l'on portait en Zahav. Selon Rabbi Notam, on parle en fait que c'était une sorte de diadème, ou je ne sais pas comment ça se dit exactement, une couronne comme ça que les femmes portaient. Une sorte de bijou qu'elle mettait sur son front et qui était une forme comme la muraille de Jérusalem. Et puisque c'est un outil en or, un bijou en or, alors on appelait ça le Ir Shel Zahav, comme ça il s'appelait. Et donc la Mishnah enseigne qu'une femme a le droit de porter ce bijou. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on est en train de parler en fait de Hilchot Shabbat. Dans le Perek, je crois, Hamishi de Shabbat, il y a là-bas Bame Isha Yotza ou Bame Ena Yotza. La femme, quels sont les bijoux que la femme peut porter lorsqu'elle sort de Shet Rabim? Il y a plusieurs conditions. De manière générale, la plupart des bijoux, selon la Mishnah et la Gemara, étaient défendus de les porter dans le Shet Rabim, pour différentes raisons. Une des raisons évoquées, pour une certaine catégorie de bijoux, c'était des bijoux qu'elle risquait de sortir, de retirer en plein Shet Rabim, en pleine voie publique, pour le montrer à sa copine. Par exemple, elle a reçu une nouvelle bague, elle risque de retirer la bague pour dire « Regardez la belle bague que mon mari m'a achetée », et qu'ensuite, elle est en pleine voie publique, elle risque ensuite de porter 4 amos de Birchut Arabim, de transgresser l'interdit de Otsa Midoraita. Chachamim sont venus et ont dit « Eh bien, les femmes, elles ne portent pas de bijoux dans la rue ». Une des raisons, il y a plusieurs raisons, il y a des fois des raisons de peur qu'elle va avoir une villa, qu'elle va les enlever, qu'elle va les porter. De manière générale, c'est toujours de peur qu'elle va les porter dans le Shet Rabim. Seulement, c'est motivé par plusieurs causes qui vont faire qu'elle risque de les enlever dans le Shet Rabim. D'accord? Ça, c'est selon la halakha stricte. Cependant, déjà le Shulchan Aruch, Siman, dans Or HaChaim, Siman Shin Gimel, Seif Yutret, rapporte que malgré tout, les femmes à son époque déjà avaient l'usage de sortir avec tous leurs bijoux, sans aucune distinction. Et le Shulchan Aruch essaie d'atténuer, de trouver quelques raisons ilchatiques pour lesquelles les femmes pouvaient malgré tout sortir avec leurs bijoux. C'est assez controversé, mais malgré tout, concrètement, il y a une grande règle dans la halakha, c'est que si le minag s'est répandu de ne pas le faire, alors on accepte que ça a été une takana qui n'a pas été acceptée finalement par le public. Il y a plusieurs raisons, vous avez qu'à regarder, on n'est pas en train de faire un shiur de halakha. Concrètement, donc, maintenant je reviens sur le vif du sujet. Initialement, il y a une takana, un décret de Chachamim, de ne pas sortir avec des bijoux. Et là, notre Mishnah vient et nous enseigne que malgré tout, la femme pouvait sortir avec ce fameux Ir Shel Zahav, cette petite couronne en forme de muraille. Elle pouvait le sortir avec dans la rue le Shabbat. Pour quelle raison? Alors le Barthénois nous explique tout simplement, étant donné que les femmes qui portaient ce bijou étaient des femmes très riches. D'accord, c'était pas n'importe quel pauvre qui pouvait s'acheter ce Ir Shel Zahav, sortir avec cette petite couronne. De ce fait, les femmes très riches, lorsqu'elles sont dans la rue, elles commencent pas à se la... Ouais, je sais pas comment dire, à se la péter. Elles commencent pas à se montrer, à retirer à sa copine, t'as vu le bijou que mon mari m'a acheté. Non,
elle passe inaperçue comme ça, elle garde son beau bijou sans en faire un grand plat sur la voie publique. De ce fait, on craint pas qu'elle va le retirer pour le montrer à sa copine. D'accord ? On passe au deuxième sujet. V, où j'en suis, c'est là. Où m'affricherait Yonim, Psoulim, la Edout. Et ceux qui font envoler les oiseaux sont Psoulim, la Edout. Ils sont inaptes à témoigner. Ça nous rapporte au Michel de Saint-Héry, qu'on connaît très bien, que là-bas, on avait appris que différentes personnes qui ne sont pas cachères, la Edout, ils sont inaptes à témoigner pour plusieurs raisons, de manière générale, parce qu'on craint que, puisqu'ils ne sont pas tellement nets dans leur rapport avec l'argent, on craint qu'on va les soudoyer pour témoigner à faux. De ce fait, ils sont psoulimes, là, les doutes. En l'occurrence, on évoque ici le Mafri Rayonim, il y avait deux explications rapportées dans le Barthénora de nouveau. C'est quoi ces vols d'oiseaux? Alors, c'est soit les courses d'oiseaux, ils faisaient des courses comme on a les champs de course, alors eux, ils faisaient ça avec des oiseaux. Si mon oiseau arrive avant le tien à tel endroit, alors c'est moi qui emporte, ils faisaient des paris comme ça. On parle de personnes qui vivaient de ça essentiellement. Ces gens-là sont psoulimes, là, les doutes. Parce qu'ils sont trop attirés par le gain et ils risquent de témoigner à faux. Deuxième explication, on parle en fait de vol d'oiseaux, mais cette fois-ci plus de vol battre des ailes pour s'envoler, mais plutôt de vol, détourné. C'est-à-dire, on parle en fait qu'il y avait des oiseaux qui étaient dressés pour partir dans les pigeonniers des autres, pour attirer, faire de l'œil aux pigeons et leur dire « Allez, vas-y, viens me suivre ». Et du coup, les autres pigeons les suivaient et ils venaient tous ensuite chez moi et puis... Du coup, je remplissais très vite mon pigeonnier en allant voler les oiseaux des autres. De ce fait, c'est pas un vol interdit par la Torah parce qu'on ne possède pas vraiment un oiseau. Et c'est d'alachot, c'est du rochem mishpat, quoi. On ne peut pas, on n'a pas de vrai droit selon la Torah sur les oiseaux, étant donné qu'on ne peut pas le dominer dès qu'on lâche, il s'envole et il s'en va. Donc, de ce fait, c'est pas une vraie béaloute, c'est pas une vraie propriété. Mais malgré tout, il y a quand même un interdit, mais des rabbanan, de le voler. Et de ce fait, la Mishnah nous enseigne que, sache que l'un ou l'autre, puisque c'est des gens qui ont, de nouveau, comme on a dit, qui sont capables d'enfreindre même un interdit d'Erabanan, d'entretenir un rapport trop sale avec l'argent, prêt à faire des coups moches pour pouvoir s'enrichir, de ce fait, ils sont inaptes à témoigner, d'accord? Ça, c'était pour les deux halakhot rapportés au nom de Rabbi Eliezer. Maintenant, la troisième halakha au nom de Rabbi Yoshua, Ve'echad Mishum Rabbi Yoshua, et une halakha au nom de Rabbi Yoshua, on traduit, et puis après on explique. Asheretz Befi Chulda. Le reptile dans la bouche d'une chulda, un rat, dans la bouche d'un rat, soit un rat qui court avec un lézard dans la bouche par exemple, ou me'alechet al-gabe kikarot shel trouma, et elle court sur des pains de trouma. On a des pains ici qui sont de la trouma, ça peut être de la chala, peu importe, ce qui appartient au Kohen, qui a une gdusha spéciale qu'il faut garder de manière à ce que ça ne s'impurifie pas. Et là, on a un animal pur pour le moment, parce que tant qu'il est vivant, on va expliquer. On a une chulda, on a un rat ou une souris, ou peu importe ce que ça peut être, un chat même, qui court, qui touche des pains, avec dans la bouche un reptile mort, donc quelque chose qui rend impur, et on ne sait pas maintenant, est-ce que pendant qu'il est en train de courir, le reptile il a touché ou non le pain. Alors c'est là le doute qu'on a, ça fait que Naga, ça fait que l'onaga. Peut-être qu'il a touché, peut-être qu'il n'a pas touché, et bien Sfekota Or. Dans le doute, on le laissera propre. Pur. Et ça demande quelques petites introductions. D'abord, de quoi on parle exactement? Il y a Shmona Shratzim dans la Torah. Il y a la Torah l'explicite à Sheretz, à je sais plus, à Choled. Je les ai pas par cœur là tout de suite. En tout cas, ils sont rapportés par Parchat Shmini. Il y a 8 reptiles dans la Torah. On va prendre par exemple, ça peut être à Koach, à Leta'a, à Chulda, à Choled. Toutes sortes, il y a 8 sortes d'animaux, de reptiles en fait, ou de rongeurs, que lorsqu'ils meurent, ils rendent impurs. D'accord? C'est le Shmoneh Shratzim, les 8 Shratzim. Traduit Shratzim par des reptiles, mais en réalité c'est des reptiles ou des rongeurs, ça dépend. D'accord? Ça c'est lorsqu'ils sont impurs. Maintenant, tant que l'animal il est vivant, il ne rend pas impur, il reste pur. Alors maintenant, ça on a fini la première introduction. De ce fait, on a, donc dans notre cas, on va parler d'un animal, d'un rongeur vivant, qui porte dans sa bouche un reptile mort. Donc le doute maintenant va être de savoir est-ce que le reptile mort, il a touché ou non la trauma, donc il l'a rendu impur. S'il l'a rendu impur, il va falloir la brûler, on ne va plus pouvoir la manger. Sinon, eh bien, peut-être qu'on va gratter la partie sur la question d'hygiène, quoi. Mais en tout cas, on aura le droit de manger tout le reste du pain. Maintenant, on a une grande règle
de manière générale, Safek Touma Birchut, on l'a évoqué déjà dans les douillots, il me semble, Safek Touma Birchut Arabim Taor, Safek Touma Birchut Ayachid Tamé. Lorsque l'on a un doute dans les Ilchot Touma, est-ce que ça a été impurifié ou non? Si le doute a lieu dans le Rishut Arabim, sur la voie publique, là où il y a beaucoup de monde, alors dans le doute, ça sera pur. Et si ça a lieu dans le Rishut Ayachid, dans le doute, on la Torah a fixé que ce sera impur. C'est déduit ça de la paracha de la Sota. Il y a une halakha très spéciale, c'est très original, ça se trouve nulle part ailleurs dans toute la Torah. Dans toute la Torah, lorsqu'on a des doutes, on a des conduites, comment trancher dans le cas de doute. Est-ce qu'on va se fonder sur la chazaka, sur l'état qu'il y avait initial, on va dire que l'état n'a pas changé, ou non. Il y a plusieurs règles, il y a plusieurs livres qui ont été rédigés, il y a le Shav Shmatata, il y a le Shari Yusher, il y a plusieurs des livres vraiment qui se sont occupés d'étudier ces souliotes très grandes et très vastes, qui touchent à des tas de sujets de la Torah. D'accord ? On a des conduites bien nettes. Et bien pour l'Ilchot Touma et Tahara, pour les lois d'impureté, on a des règles très différentes. La Torah, elle établit. Lorsque tu as un doute, est-ce que tu as touché l'impureté ou non ? Dans le doute, si tu as ton doute qui est né dans un Reshut Ayachid, dans un endroit fermé où tu étais tout seul, dans le doute, tu seras tamé vadaï. On te considérera comme 100% tamé. C'est même pas dans le doute 50-50. 100% tamé. Pour tous les cas où tu devras apporter un corban, tu l'apporteras et tout ça. Si le doute a eu lieu dans le Reshut Arabim, sur la voie publique, dans le doute, on décrétera que tu es tahor. Et ça, c'est déduit d'une presque un peu xeratakatou, d'une insistance bizarre qui a été dit dans la paracha de la Sota. On va pas trop allonger dessus. La Sota, on a un doute. La femme qui a éventuellement trompé ou non son mari. Alors, la Torah l'a dit que dans le doute, on la considère comme tmea, comme impure. Le mari n'a plus le droit d'aller avec elle tant qu'il n'a pas éclairci son statut. D'accord ? Or, la femme, elle n'a pu faire son acte que si elle était dans le Reshut Ayachid. On déduit de là, d'une insistance du Passouk, que dans le Reshut Ayachid, autant que là-bas tu rends impure la femme, c'est-à-dire tu considères qu'elle a fait l'acte, alors ici, pour la même chose, on va prendre pour le Chot Touma, tu considères que ça a rendu impure, tandis que si c'est dans le Reshut Arabim, elle ne fait pas l'acte, de ce fait, elle n'a pas été interdite à son mari, on la laisse 100% permise à son mari, on l'a laissé sur sa chazaka. De ce fait, dans le doute aussi, lorsqu'il y a une touma qui a touché ou non dans le Reshut Arabim, ça restera tahor. Ça, c'est l'axiome de base. Et bien maintenant, on va prendre un cas particulier de cette halakha, qui va nous dire que sache que tout le doute que tu as, c'est uniquement lorsque la touma est fixe, l'impureté, elle est fixe dans un endroit, et toi, tu es passé à côté d'elle, et tu ne sais pas est-ce que tu l'as touché ou non. Alors là, on a cette règle donc, qui va nous dire Safek Touma, Birchut Arabim, Tahor, Birchut Ayachid, Tamé. Que dans le doute, dans le Birchut Ayachid, tu décrètes que ça a été impurifié, mais dans le Birchut Arabim, c'est Tahor. Par contre, si c'est le contraire, toi tu es fixe, et c'est la Touma qui passe, l'impureté qui passe à ta proximité, et on ne sait pas est-ce que cette Touma au Veret, c'est un statut de Touma au Veret, une Touma qui est en déplacement, on ne sait pas lorsqu'elle est passée à côté de toi, est-ce qu'elle t'a touché ou non, dans le doute, on n'a plus la fameuse règle qui nous dit de rendre impur dans le Reshut Ayachid, donc on décrétera que ça reste pur, et c'est ce qu'il nous dit exactement Rabbi Yoshua, « Asheretz befi chulda », lorsqu'il y a le sheretz, donc le reptile ou le rongeur mort, qui est dans la bouche du rat, « chulda », c'est un rat, « ou mealechet algabe kikarot shel truma », et que la chulda, elle est en train de marcher sur des pains de truma, ça fait knaga, ça fait klonaga, peut-être que l'impureté qu'elle avait dans sa bouche a touché ou n'a pas touché les pains. Dans le doute, tu dis « Sfeko Tahor ». Dans le doute, tu laisses les pains purs. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. Salam.